Salut les gamers, comment ça va? Moi ça va Nichmel Chrome, j'espère que cette partie 4 vous plaira et que mes vidéos commencent tout doucement à être attendues. Bon, on va commencer tout de suite avec une capture bien what the fuck, puisque vous devez aller récupérer l'avion qui se trouve sur le container tout au-dessus du plus haut building de GTA. Et franchement, j'ai réussi à prendre un seul avion et mon pote aussi. On n'était que deux dans la partie, pourtant franchement, imaginez à 5 ou 6 là-dedans. Ça spawn kill direct. Que des fois je comprenais rien au bordel qui m'arrivait. Vous avez des snipers en difficile tout autour du bâtiment qui vous tuent direct quand vous arrivez avec votre buzzard. J'en profite pour vous inviter dans mon groupe Facebook que je viens d'ouvrir, Journal du Geek officiel. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'intégrer. Vous pourrez suivre mon activité plus facilement comme ça. Alors on va passer tout de suite à la deuxième activité qui s'intitule course what the fuck. La fameuse course de mon pote Marvin le démon. Encore GG à toi franchement. Alors comme d'habitude, toute une série de containers seront à escalader, des méga rampes. Il y a pour tout le monde et tous les goûts là. Mais comme toujours, il y a un peu de course entre les deux parties bien what the fuck, ce qui rend la course moins platonique je trouve. Donc je vous invite à aller tester toutes les activités de mon pote Marvin, dont je laisserai le lien de son activité ici plus bas. Alors on va passer tout de suite à la troisième activité, qui est une capture. Et vous devrez récupérer les sacs qui sont sur les containers du milieu, là tout au-dessus dans les airs. Mais franchement, cette capture-là, elle fait rager. J'ai pris un sac, je crois, et je pense que mon pote, il n'a pas pris. Je m'en rappelle plus. Vous aurez des persos sur chaque container qui vous bombardent de requêtes. Ça vole dans tous les sens, il n'y a pratiquement pas moyen de se poser. Et quand j'y suis arrivé, j'ai sauté dans le vide avec mon parachute. Sinon, je me faisais encore défoncer la face. J'avais les roquettes qui sifflaient dans tous les sens. Franchement, c'est comme la première activité. Vaut mieux, à la limite, y aller à 5 ou 6. Ça devrait arracher, je pense. Mais là, à 2, y a pas moyen de récupérer un sac, quoi. Alors voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. Alors, mais non, c'est pour rire. En fait, il y a une petite activité bonus pour me faire pardonner. Alors là, on se retrouve sur une course d'un de mes abonnés qu'il a faite lui-même, donc GG à toi aussi. Ça fait plaisir de voir des joueurs qui me proposent des courses, enfin ça commence tout doucement. Alors je sais pas si je vais prononcer ton pseudo correctement, c'est Devil Bracos qui a fait cette course-ci. Elle est vraiment pas mal, franchement, vous devrez escalader toute une série de rampes et de containers jusqu'à pour aller récupérer le poids jaune qui se trouve en dessous dans les containers fermés. Donc si vous loupez votre coup, vous devez recommencer à chaque fois la course, ce que je trouve vraiment pas mal. N'hésitez pas non plus à me proposer vos courses what the fuck, ça me ferait super plaisir. Et vous aurez peut-être la chance, si elle est bien what the fuck, qu'elle soit présentée ici dans une de mes vidéos. Alors voilà, cette vidéo touche vraiment à sa fin cette fois-ci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager un max mes vidéos sur votre mur Facebook ou même votre Twitter, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas le petit like les amis, ça me ferait super plaisir aussi. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis bon game les geeks de mort.